Le récent exploit de la jeune Nora Milanesi au championnat d'Afrique zone 2 avec 5 médailles décrochées augurait certainement des lendemains ensoleillés pour la natation camerounaise. Mais juste après la performance, Dakar, catastrophe, le Covid est arrivé et a jeté à l'eau tous les projets. Comme les autres sports, la natation est en hibernation. Les compétitions sont gelées depuis plusieurs semaines. Heureusement, certains passionnés maintiennent la flamme allumée. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la saison 3, acte 20 de votre magazine. Kick-off, un autre numéro tourné au cœur de la peur, Covid-19. Mais malgré l'angoisse, la Kick-off Team tient le coup. Comme d'habitude, avant de se jeter à l'eau, prenons tout d'abord le sommaire. Au sommaire de cette édition, malgré le Covid-19, la natation essaye de garder la tête hors de l'eau. Les compétitions sont certes gelées, mais les passionnés entretiennent l'espoir. Double œil sur Hervé Raoul Mba et Wilfried Sey. L'un cumule 17 années sur un vélo, l'autre est champion du monde. Vintage avec Isaac Sinkot. L'incisif défenseur révèle pourquoi on le surnomme Jasso. Et les inamovibles, Smash et ma première fois. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Nous sommes à la piscine semi-olympique de Bassa, le temple de la natation dans le littoral. Et comme on peut le constater, il y a du monde. Allô, des passionnés de la natation, des amoureux de la discipline en quête du bien-être. Il faut bien sortir, se détendre, on reste à la maison, on s'ennuie. Et il faut bien entretenir son corps, ne pas s'ennuyer à la maison. La nage est un meilleur moyen de détendre, de faire le sport. Je sais qu'il y a d'autres gens qui n'aiment pas trop s'essuyer en courant pour tout transpirer. Tout le monde se souvient de sa première fois dans un bassin et dans l'album « Ma première fois » de ce numéro, le footballeur Framboya. Salut tout le monde, ici Framboya. La première fois que j'ai porté le masque anti-coronavirus, je me suis senti bien, c'était très confortable. Mes oreilles n'ont pas chauffé ou bien ça n'a pas empêché de bien respirer, il était confortable. Ma première fois d'entendre parler des mesures barrières, c'est lorsque je suis arrivé un matin au club où on ne pouvait plus avoir de contact en se serrant la main ou bien lorsque le gouvernement a décidé de fermer les frontières. La chose qui me fait peur le plus pendant cette période, c'est de voir le nombre de morts qu'il y a dans le monde entier. Donc, ça nous prouve à quel point la vie d'un être humain peut basculer en une seconde. La première chose que je vais faire après avoir levé le confinement sera déjà de remercier Dieu de m'avoir protégé, d'avoir protégé ma famille et surtout d'avoir permis en sorte que nous puissions reprendre le cours de nos vies. Et la suite, c'est d'essayer de côtoyer des gens à nouveau et puis de profiter de la vie. Boya qui aime bien frapper, prendre la balle et frapper, c'est but ! Égalisation ! Kick-off.
toujours au bord de la piscine, mais cette fois aux côtés du responsable des finances à la Fédération Camerounaise de Natation. Bonsoir CDF. Bonsoir cher ami. On voit des gens à l'eau, rassurez-nous que la natation n'est pas dangereuse en ces temps de Covid-19. Moi je voudrais même demander aux gens de venir se baigner. Vous savez, le traitement chimique et chloré des bassins n'est pas favorable à la persistance du virus. C'est les experts qui l'ont dit. Mais la promiscuité, c'est ça le danger, la promiscuité. C'est pourquoi la distanciation, aussi bien sur la terre, doit être respectée également en mer et dans les bassins. C'est pour les raisons pour lesquelles vous voyez les bassins sont ouverts, particulièrement le bassin de la piscine de Bassa. Parce que la fédération, le président à la tête, et veille à ce que tout soit respecté. Le médicament le plus important pour le traitement des virus, c'est le chlore. Au niveau de la piscine, on se trouve autour de 40 degrés. Par traitement, on fait un traitement en chlore. Dans le sauna, on est autour de 60 degrés. Vous voyez qu'aucun virus ne peut résister. La natation garde la tête hors de l'eau. Hors de l'eau, le moins faible. Moi, j'ai dit, et je le redis, il y a de bonnes choses pour la natation. Ça, je vous assure. Je crois que, sans risque de me tromper, c'est la meilleure période pour la natation qui a commencé là. Bon, monsieur, laissons les bassins un moment. Je vous propose d'aller du côté de la capitale, Yaoundé, pour rencontrer deux sportifs de haut niveau confinés en ce moment et presque en difficulté. Wilfried Tsehi est boxeur et qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Hervé Raoulmba est le cycliste le plus expérimenté du circuit national. L'œil du champion, un document exclusif. Kick-off. Il laisse le vélo et se consacre à la cuisine. Il faut trouver quelque chose pour s'occuper. C'est difficile de passer les journées rien qu'à visionner, à passer du temps dans le téléphone. Il faut aussi s'occuper. À défaut des rings, il se contente désormais des manettes. Moi qui suis sportif, c'est vraiment compliqué pour moi, mais prions Dieu que ça aille mieux. Hervé Raoulmba et Wilfried Tsehi, deux lions, virtuoses de leur sport, mais le Covid les a mis en quarantaine. Avec le confinement, les journées d'Hervé commencent maintenant dans sa cuisine. Juste un morceau de sucre, parce que quand on est en confinement, le sucre c'est pas très bon pour les amis, puisque ça donne beaucoup de kilos. Des rendez-vous manqués, de longues semaines sans pédaler, des ambitions ajournées, de mémoire de cycliste, jamais Mba n'a connu pareille galère. Ça fait 17 ans que je pratique le cyclisme. 17 ans de carrière, déjà, c'est une grosse partie de ma vie. Donc, du coup, couper le cyclisme pour une course, pour une crise sanitaire, c'est un peu difficile parce que là, c'est différent d'aller en congé. Parce que là, en congé, psychologiquement, vous êtes préparé. Et bon, là, c'est en plein début de saison, en plein début de grands événements. Que tout a été arrêté, donc du coup, ça me manque vraiment le vélo. Je vais du côté de Lembe, du Mont Febé, où j'ai l'habitude d'aller. Ouais, je vais un peu plus d'une heure de footing dans les rues de la capitale, et ce, malgré la fine pluie.
un peu compliqué, puisque jusqu'ici toutes les activités sportives sont encore arrêtées. Bah, on espère que très bientôt les choses vont reprendre son train. Voilà, généralement je continue avec une séance d'abdos, dorsale, mais là ça a l'intérêt. L'objectif numéro un était le Tour du Cameroun. J'avais prévu vraiment frapper un grand coup au Tour du Cameroun. Mais bon, dommage que cette crise soit venue vraiment tout annuler et tout gâcher dans le monde entier. On n'y peut rien, on est obligé de faire avec et se fixer d'autres objectifs. Là, on n'a vraiment pas le choix. Une pile de badges de participation aux compétitions. Et à chacun son histoire et ses souvenirs. Donc voilà, il y a une multitude de badges. Beaucoup de participations du Tour du Cameroun, je pense déjà 11, 12, quelque chose comme ça. Parce que parfois, on oublie un peu de s'asseoir pour compter tout ça. En fait, c'était mon premier Tour du Cameroun en 2006, après mon Chantal Biya, où j'ai fini 18e en 2005. La première étape, on était à 45 degrés à l'ombre, à l'extrême nord. Et après mon arrivée sur la ligne, j'ai perdu connaissance parce que j'étais hyper déshydraté. Il y avait beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas encore, savoir bien m'hydrater pendant la compétition et tout et tout. Il y a aussi ma première participation à Kopika Lamisa Bongo. Première participation à Kopika Lamisa Bongo avec des professionnels du Tour de France, des personnes qu'on avait l'habitude de voir étant à la maison, à la télé, qu'on admirait, qu'on a pu voir en face, qu'on a pu rivaliser également. Donc ce sont des moments qui m'ont vraiment marqué. Ça, c'est ma participation aux Jeux africains 2011 où nous sommes allés défendre le Cameroun. Où on perd la médaille de bronze à 3 secondes du Rwanda. Ça nous a beaucoup fait mal. Donc, c'est pourquoi ça reste un souvenir parce que vous savez l'importance des Jeux africains pour une nation. Donc quand on perd la troisième place à 3 secondes de l'équipe du Rwanda, vraiment, on a été très choqués. Champion du Cameroun 2015, récent vainqueur d'étape du Tour de Côte d'Ivoire, le bûcheron, comme le surnomme ses coéquipiers, sort de 2 années de trêve imposée par une blessure contractée au Dixia de 2016. Beaucoup de personnes n'imaginaient pas que je devais remonter sur un vélo parce que j'ai subi 3 opérations. Quand beaucoup de personnes n'imaginaient pas que je devais remonter sur un vélo. Peut-être que me rétablir, mais pas pour continuer, peut-être à mener ce combat dans le cyclisme. Mais bon, pour moi, avec autant d'années déjà passées dans le sport, dans le cyclisme particulièrement, ce n'était pas la meilleure façon de partir. J'ai dit, Raoul, ce n'est pas comme ça que je dois quitter cette discipline. Je me suis motivé à reprendre. Wilfried Sey n'est plus monté sur un ring depuis le tournoi de qualification olympique à Dakar en février dernier. Bien plus, avec la crise sanitaire, il est coincé dans cet hôtel loin de Montréal où il tisse sa carrière professionnelle. Ouais, très, très difficile parce que ça bloquait beaucoup de trucs. Donc, tout en stand-by, rien ne marche. Comme en 2016 à Rio, le garçon de Mokolo représentera le Cameroun aux prochains Jeux Olympiques. Le report d'un an semble lui être bénéfique. Pour moi, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose parce que ça me donne encore plus de temps de préparer. Dans le côté positif, en fait.
C'est pour ça que pour moi, c'est une bonne chose. Juste. Parce que moi, je sais pas. Je peux dire que je suis un peu plus mal. Donc, ce qui fait que je vais vraiment corriger mes petites failles. Parce que j'ai vu que j'avais quelques rares qualifications. Donc, avec les 2 ou les 3 mois que j'allais avoir, ou les 4 mois que j'allais avoir, maintenant, je crois que j'ai 1 an. Donc, ça me donne largement le temps de corriger tout ça pour être presque à la perfection. D'avoir commencé avec l'échauffement, l'étirement d'abord. Donc j'ai commencé à ajuster mes bras avec mon élastique et puis j'ai sauté à la corde, genre 10, 15 à 20 minutes. Et puis j'ai fait un shadow boxing. Comme ça, je peux faire 5 à 6 rounds de 5 minutes. Et puis je renforce maintenant vraiment mes bras, genre mes épaules et mes avant-bras. Et puis je fais des push-ups. Après les push-ups, avant de faire des push-ups, je fais des jambes d'abord, donc des flexions et des gainages de jambes. Après les jambes, j'ai fait mes abdos. Donc j'ai fini avec les abdos et puis je me suis tiré. Wilfried Sey, un palmarès garni et désormais une ceinture de champion du monde WBC dans la catégorie jeune. Cette ceinture représente beaucoup de temps de travail, sacrifice, du travail d'équipe et beaucoup de concentration. Donc, c'est aussi ma première ceinture dans le monde professionnel et pas ma dernière. À tout même au Canada, à Montréal, quand je passe, je crois que je me fais déjà remarquer. Je crois que c'est par rapport à ma façon, mon style de boxe en fait. Donc, je remercie Dieu pour ça et je compte travailler encore plus dur pour être connu, pas à Yaoundé, pas au Cameroun, pas en Afrique, pas à Montréal, mais dans le monde. Les souvenirs, Dakar, le TQO, le ticket pour Tokyo. Une préparation à domicile, aux côtés de son père. J'allais à la maison chez papa travailler, parce que c'est lui qui a eu à faire ce que je puisse boxer. Donc c'est lui qui m'a donné cette base, ce physique et puis cette intelligence. Donc on a travaillé, on a ajusté ce qu'il fallait ajuster, on a travaillé le poids et puis je suis allé à Dakar et puis j'ai fait ce que j'avais à faire. The winner by split decision. In the blue corner. And it's Sey Sengwe. Oh. Wilfried Sey Sengwe has prevailed in the third place box off. Donc, je suis trop fier de moi parce que j'ai à atteindre l'objectif que je suis venu chercher ici. Donc, peu importe ce qui se passe, je me suis qualifié. Je prie que cette pandémie de COVID-19 puisse vraiment baisser et puis que les frontières puissent être ouvertes, que je puisse rentrer et recommencer mes activités.
Santos. Certains le surnomment Ndiasso, le ciseau du foot. D'autres l'appellent Zimbabwe ou Zimbakola, mais tout le monde se souvient de son jeu rugueux, très dur sur l'homme. Isaac Sinkot, le lion champion d'Afrique 84, livre toutes les anecdotes autour de ses surnoms dans un vintage magnifique. Enjoy and don't move. Ndiasso, c'était un langage routier, c'est-à-dire c'était un outil tranchant. Et comme j'étais rigoureux sur les joueurs, les attaquants, je ne me laissais pas faire et j'allais très vite. Donc, on m'a donné ce sobriquet qui, jusqu'à présent, on continue à m'appeler ainsi, ça me va bien. Il y avait une boisson, c'est comme on m'a dit, il y avait une boisson qu'on appelait Zimbakola avec l'installation de brasserie. C'était les jus qu'on importait, qu'on appelait Zimbakola, qui devait être comme un Coca-Cola et qui faisait que les enfants aimaient beaucoup. C'était donc mon oncle du regretté moment, Solaluc, qui nous appelait par ce petit nom. Puis il appelait Zimba. Et puis le gradin, comme c'était. Zimbabwe, Zimbakola, ils ont complété eux-mêmes parce que, étant au flanc du virage, et puis ça a pris comme ça, c'est tout. Bien joué sur la game, ça. Tu sens très bien. Nous avons d'ailleurs encaissé le premier but. Aoudou, shoot! Nous sommes revenus au score. Et la suite, ce qui passe souvent à la télé, Abega, Mila, Mila, Abega, et puis c'était le deuxième but. Abega, Mila, Mila, Abega! Et c'est Bongo Ernest qui achève donc sportivement l'adversaire. En étant le troisième but, il a le troisième. Kikos. Bienvenue au Cameroun, pays des lions indomptables. Bienvenue à ce match où rire et évasion sont toujours au rendez-vous. Job Jamie, when on the moon gel, when on the moon gel, so hold on me. Ouais, non. Entrez, Job. Bonjour, Gacha, te président. Mais ah, Kinkabe, tu veux quoi, Wenge qui? Président, je suis que Tafonjo là. Et on m'a dit que vous cherchez un médecin pour le club là. Moi aussi. Oui, c'est vrai. Je veux justement un médecin de qualité. Pas les bras cassés qui marchent ici dehors, Nora. Je suis sauf que très qualifié là. Et au quartier, comme tu vois là, tout le monde me connaît. Hein. Ah oui, Jobé, c'est quoi ton expérience? Où est-ce que expérience, mon ami. Je vends les comprimés au gazon depuis 20 ans là. Et j'ai réussi 60 avortements hein, sans douleur à Bilongue. Feng du quartier là. Tu es vraiment l'homme de la situation. Hein? Oui, bien sûr, mon ça. Mais ah, tu as déjà travaillé dans quel club? Où est-ce que je dis que tortue. Rappelle-toi de Tortue de Bodmakak en 1981 là. C'était bien moi. Au fait,
Tu as besoin de quoi pour travailler? Ngeki. Plaisir. Pas grand chose. Hein. J'ai juste besoin sauf que d'un ciseau. Oyoa, un paquet de para. Et ajoute aussi une bouteille d'huile rouge pour, et une glacière. Là. Glacière? Mais ah, tu vas vendre le Kosamo au stade. Non, plaisir, gars. La glacière là est très utile. Hein. Multifonction. Tu mets sauf que l'eau et les glaces dedans là. Un joueur fatigué, tu donnes l'eau. Un joueur malade, tu mets sauf que la glace, non? Okayoa, c'est comme ça que ça marche. Même si c'est la fracture, ça va sauf que guérir, mon ami. Tu es le meilleur, mon frère. Finalement, on te paye combien? Enfin, calme. Donne-moi sauf que 100 000 là, c'est bon. Cap. 100 000? Mbororko! Hey, yeah! Oui, job 25 000, c'est bon. Ok, président. Problème, t'es si, mais à une seule condition. Hein. Nadjou, j'accepte 25 000, mais il faut me laisser vendre mes médicaments aux supporters, aux joueurs, aux staff. Bref, partout là, je veux sauf que vendre mes comprimés. Oh, sans souci, mon frère! Problème, Tabé, tu es désormais le distributeur officiel des médicaments dans notre club, Nora. Voilà, Moto quoi. Merci beaucoup. Non, allez, tu commences le travail demain. Ok, président. Goyou, tu es sauf que le meilleur. Oh, Mbo. Ok, Mnok. Kick-off, acte 20, où l'espoir de revoir enfin le mouvement sportif. Sur les rails, il faut avouer que le sport nous manque tant. Mais entre-temps, lavez-vous régulièrement les mains autant que possible. Respectez les mesures prescrites par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. N'oubliez jamais que la vie n'a pas de prix. Et lorsqu'il vous arrive de sortir, arborez toujours un masque. À bientôt.